Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Isaac Afterbirth! Je suis pas mort! J'étais juste en, on va dire, en vacances, hein? Voilà, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Mais bon, hein, voilà, chacun. Il me fallait une période sans. Et là, voilà, c'est le début d'une nouvelle période avec. Voilà, c'est bon? Ça vous va? Alors, pour aujourd'hui, bah, c'est quoi pour aujourd'hui? On va faire le daily. C'est avec The Lost. Bon. Ok. Ça, c'est pour me punir de ne pas avoir sorti de vidéo, peut-être. Alors, on est le 2 septembre, donc. Allez, Daily Run, let's go! On va poutrer sa race. Donc, c'est The Lost. Est-ce qu'il y a quelque chose... Non, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, il n'y a rien. Ok, ça va jusqu'à Mom. Bon, ça reste faisable, hein, mais... Mais c'est The Lost, quoi. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouah la vache. Alors ça va que The Lost il a Holy Mantle. Même si pour l'instant c'est bon hein. J'ai fait une salle. Wouh. Et j'ai le D4. Si jamais, enfin non, il faut pas l'utiliser le D4 parce que ça me ferait perdre Holy Mantle. J'ai déjà essayé. Du coup c'est de la daube. Ouais. Ok, alors ça c'était mauvais. C'était une mauvaise esquive de foncer dans les ennemis hein. Et toi, tu dégages. Lol. Ça lui va bien. Il n'y a toujours pas de... Ok, ça c'est le boss. Oh putain. Ok. Alors j'aimerais quand même avoir un item. Ça peut m'aider contre les trucs, hein. Genre contre le boss, au hasard. Alors. Ok, grande salle avec eux, là. C'est pas un problème. J'aimerais bien avoir des bombes, parce qu'il y a plein de trucs, là. Il y a plein de trucs pas mauvais. Allez. Voilà. Et voilà. La clé dorée. Ah, des bombes. Oh, bah c'est bien ça. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre. Ouais. Bon, on va quand même aller voir le shop puisqu'on peut. Hein. Ah, il y a Steam Sale. Dommage. Non, je garde la bombe pour le Rochix qui était là-bas. Et Robo Baby 2. Je sais pas trop si... Enfin, remarque que ça peut être utile, hein. Moi, je me cache et lui, il fait le boulot. Ça peut le faire. Intéressant. Le Rochix, il était là, je crois... Ouais. Malheureusement, c'est juste un cœur gris. Bon. Bon, bah, on va se faire le boss, alors. Et le boss, c'est Larry Junior. Alors attends, on va essayer de faire plus de dégâts parce que Robo Baby, il peut taper tout Larry d'un coup, donc c'est plus pratique. Par contre, c'est un peu chaud parce qu'il faut que je me cache bien, moi. Ok, ça c'est fait. PJ, ça ne sert donc à rien du tout avec The Lost. Un peu dommage. Bon. On va voir si on aura mieux à l'étage d'après. Mais pour l'instant, ça commence pas terrible, terrible, hein. Alors c'est l'heure de... On va d'abord buter... Enfin je sais pas, on va d'abord essayer de pas crever, voilà, c'est tout. Enfin je sais pas si je dois diriger moi ou lui en fait. C'est assez zarbe comme truc. Puis ça je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Oh putain. Ça c'est pute. Ça c'est pute, oh la vache. Alors j'ai pas de bombe mais je vais quand même ouvrir le coffre. Maintenant j'ai des bombes. Oula. Alors, clé dorée, bon. Ok. Ça veut dire clé infinie. Donc ça, c'est cool. Light Ammo Room, là, voilà. Enfin. Allez, donnez-moi un super truc qui déchire sa race. Bon, puis toi, j'aimerais bien que tu crèves. Alors, l'objet, c'est... Comment ça s'appelle? C'est Explosivo. Donc, ouais. J'ai envie de dire ouais. Ah oui, le Smolok. Génial. Donc je fais plus de dégâts maintenant. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Full health. Génial avec The Lost. Et j'ai cette pièce, mais malheureusement, il n'y a rien. J'aurais bien pris la stopwatch, c'est dommage. Ça, c'est pas ma... Ah, remarque. Non, avec The Lost, ça sert strictement à rien. Faut que je me fasse toucher pour avoir l'effet, donc... Donc en fait, non. J'aurais bien pu le boomerang, donc, à la limite. Ouf, ok. Encore un rocher X, hein, décidément.
Enfin, remarque, je sais pas trop s'ils peuvent vraiment contenir des trucs après là. Parce que je veux dire, j'ai déjà eu tout ce qu'il me fallait. Et on est contre Pin. Non, reste là, toi. Là, reste avec moi. Ah, mais je me disais, c'est quoi ces trucs gris? Bah oui, j'ai explosivo, je suis con. Hein. Non, en fait, je crois que je vais faire des dégâts moi, hein. Ça sera plus efficace. Puis bon, il est déjà à la moitié mort, le truc. Puis bon, j'ai Pin, quoi, je veux dire, ça va. Même pour quelqu'un qui a pas joué depuis un mois, c'est bon, quoi. Alors ça, c'est cool. Tears up, shot speed up, c'est exactement ce qu'il me faut, hein, ce genre de truc. Ben, du coup, autant prendre ça. Autant aussi prendre ça, pour le faire disparaître. Mais on va garder le Book of Sin. Et c'est une carte, The Hanged Man, génial. Bon. Allez, Kassos. Direction Mum. Toujours Mum, hein. Je veux dire, heureusement que ça s'arrête à Mum, parce que putain, c'est quand même The Lost. Alors, j'avais vu un live d'Erwan l'autre fois, enfin, il y a quelques jours, où il disait que dans Caves, Curse of Darkness, on y voit vraiment que dalle. Il avait pas tort. Je sais pas si vous y voyez bien sur YouTube. Attends, c'est quoi? Je vais augmenter un petit peu la gamma, quand même. Voilà, 110. On y voit légèrement mieux, hein, voilà. C'est pas du cheat, hein, non plus. Oh, Head of the Keeper, c'est pas mal, ça. Je tire des pièces, maintenant. Des pièces qui explosent. Attention, hein. Bon, faut quand même faire gaffe que ça me pète pas à la gueule. Enfin, je sais même pas si ça peut marcher comme ça, mais... Mais dans le doute, on va essayer de... Hein, voilà. Ah, il en reste un. Putain, on ne voit pas grand-chose, quand même. Oh, cette esquive en mode random. Ok. Alors, une clé de plus, donc je vais ouvrir encore les coffres. Guppy Z. Je crois que je vais garder Guppy Z, en fait. C'est vachement bien, Guppy Z, quoi. Et des pièces. Ok. Donc direction... Il faudrait le shop, en fait, ce serait cool. Il faudrait qu'il y ait quelque chose au shop. Ok. Alors, next. Un lève-toi. Il s'est levé, parfait. Mango Baby. C'est pas mal, ça, non? Bon, c'est toujours un petit peu de force de frappe en plus. C'est positif, quoi. Du coup, je contrôle plus vraiment rien, là, parce que j'y vois que dalle. C'est horrible. Voilà, je vais même pas essayer de contrôler Robo Baby. Parce qu'on s'en branle. Ah putain, merde. Ça, c'est vraiment chiant. On va aller dans la Curse Room parce qu'on peut. Alors. Des pilules. C'est un peu risqué, non? Si c'est bad trip, je suis mort. Hein. Rétrovision, évidemment. On va sortir avant de la prendre, celle-là. C'est Curse of the Maze. Oh, super! Pilule parfaite, quoi. Ok. Alors, continuons, même avec... Oh putain, j'espère que je fais pas une connerie, moi, dans cette salle. Ok. Ah, je tire droit, ça y est. Enfin. Putain, j'ai tué toutes les mouches d'un coup, là. Waouh. Bon, vous, vous êtes mort. Voilà, super. Encore des pièces. 14 pièces, le shop, hein, je l'ai toujours pas vu. Putain, tout est flou, c'est chiant. Remarque, au moins Robo Baby, on sait où il est, parce que le laser, il fait bien de la lumière et tout. Ouh, Blue Candle, ça serait cool. On va le tuer, lui. Oh oui. Alors du coup, There's Option, c'est pas mal non plus. Mais je crois qu'on va quand même garder la Blue Candle. C'est quand même cool, quoi, je veux dire. Ça fait des gros dégâts au boss et tout. Ouais, c'est surtout pour les boss, parce que honnêtement, là, les dégâts, ça va, quoi. Enfin, les boss et ce genre de salle. Ah, mais c'est vrai, je vole. Pff, je suis con. Hein. J'ai plus le réflexe, c'est horrible. Ok, tout plein de pièces. 15. Ah bah, je peux prendre Zero's Options. On va carrément prendre ça. Voilà. Comme ça, les boss drop 2 items et j'ai mon choix. Alors, Chub. Ah, ça fait mal la Blue Candle dans ta gueule, hein. Alors, faire gaffe, c'est le champion, donc il va plus vite. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Alors, pas de deal, mais franchement, là, y a pas vraiment de choix à faire.
Et puis on va descendre, on va espérer que la curse se barre. Parce que c'est un peu chiant hein, quand même. Ok, la curse s'est barrée, super. Je vais remettre la gamma comme elle était. Je trouve que c'était un bon compromis, quoi. Voilà. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a Fruitcake, putain, je dois le faire. Parce que c'est trop marrant, Fruitcake. Même avec The Lost, dans une daily run, j'en ai rien à foutre, c'est trop drôle. Oh putain. Et même contre Pip, ouais. Tout à fait. Ah, merde, il m'a eu. Là, faut faire gaffe. Surtout qu'il y a un deuxième boss derrière et je suis mort. Putain, mais oui! Alors, j'avais complètement zappé, mais effectivement, quand tu meurs avec le Mysterious Paper, tu deviens The Lost. Enfin, il y a un truc comme ça, je sais plus exactement ce que c'est le problème, mais... Donc, je suis pas mort, en fait, c'est cool! Et j'ai eu Fruitcake! Putain, en fait, c'est cool, ce truc! Je savais même pas que... Pour moi, c'était le truc qui permettait de débloquer The Lost. Enfin, peut-être que ça permet aussi... de le débloquer. Bon, bah, donc, c'est cool! Ah, c'est super! On apprend encore des trucs, donc, aujourd'hui. Alors, hop. Le shop. On va y aller comme... Enfin, non, on va pas y aller. Fuck it, hein, rien à foutre. J'ai que 5 pièces, ça vaut pas vraiment le coup. Alors, grande salle, ok. Elle mène à la bonne salle, donc ça, c'est bien. Franchement, Fruitcake plus... C'est trop génial, Fruitcake, voilà, c'est juste ça, quoi. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Continuum. Ouh, tous les items que j'aime. Oh, franchement, cette daily, elle est cool. Franchement, hein, c'est super, quoi. Je suis bien content. Même si mon score a dû baisser parce que je suis mort. Honnêtement, on s'en branle du score. Voilà, c'est tout. Oui, alors, c'est bien. Ça fait quoi, ça, du coup? Parce que Lazy Worm, ça fait des tirs très lents. Pas trop si ça vaut vraiment le coup, cette histoire. Non, je crois que je vais le lâcher, en fait. Je préfère quand ça va vite. C'est un double boss, en plus. Mais, my body is ready. Oh putain. Gemini et Ragman. Le gang des connards, quoi, en gros. Hein. Oh, remarque, je crois que j'ai fait du dégât, là. Il reste plus que Gemini, déjà. Ce massacre. Bon, alors, on verra après si... Enfin, on verra après pour les items. Putain, merde, c'est Krampus. Je le sentais venir, en plus. En plus, je me suis fait toucher moi-même, là. Meurs, ok. Alors attends, tout d'abord, on va buter les flammes rouges qui ont failli me tuer. Pfff, ça rase. On va prendre ça, parce que c'est pas mal. Puis on va vite se barrer. Voilà, et puis on va prendre ça juste pour le trinket, du coup. Le poker chip. Enfin, je crois, hein. Ouais, poker chip. Nah. Non, mais juste non. Ok. Bon. Bah, on va descendre. Suspense. Et on est dans The Depths. Alors. Ah merde, ça passe pas à travers les murs. Fuck. Bah, vous savez quoi, on va utiliser la technique du Robot Baby 2. Hein. Voilà. Technique qui marche super. Ah, il en reste un. Putain, je l'avais même pas vu. Ok, alors. La pilule derp. Et... Non, je vais pas mourir. Mais non. Je suis déjà mort une fois, ça suffit. Non. Ouais, alors. Putain. Révéler cet ennemi, c'était pas terrible. Faut que je tue quoi, là? Ah, ça, ok. Non, mais on est bon. Faut voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça m'intéresse pas. Allez, grande salle, YOLO! Il est où l'autre? Voilà. Ça c'est fait. Alors. Oh putain. Ça c'est vraiment. C'est vraiment pute comme ça, quoi. One makes you larger. Ok.
cette salle, c'est aucun problème puisque je vole. Je veux dire, à un moment, il n'y a pas de problème, quoi. Et en plus, il y a le shop et l'item room. Parfait. Tiens, je crois que j'avais jamais vu des versions petites de cet ennemi, là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le shoot-a-whoop. Alors, franchement, non. Je veux dire, à part pour faire blurg une fois, mais non, voilà. Parce que la Blue Candle, c'est quand même vachement mieux. Et là-dedans, on a le flacon de pilule. C'est pas super intéressant, j'ai même acheté la clé tellement c'est... Je m'en fous, quoi, voilà. Alors, là-dedans, on a quoi? On a une petite araignée de merde. Et puis le boss! Wow, shit! Littéralement. Oh la vache. C'est un peu chaud quand il y en a partout comme ça. Mais c'est bon, j'ai bien dominé le combat. Pas de problème. On va prendre ça, parce que je pense que je tire assez vite, quoi, je veux dire. Faire gaffe quand même, parce qu'avec Continuum et les tirs qui peuvent exploser, je suis en danger, moi, merde. Hein. Allez, on va se diriger vers Depths 2. Le dernier étage de cette run, donc. On va tenter de pas faire de la merde. Ah putain, j'ai pas la map. Donc ça, j'ai pas envie d'y aller. Ça non plus, mais j'ai pas le choix. ouais. Ok. Putain, la vache, il y en avait des trucs là-dedans. Justice. Cool. 15 pièces, faudrait que je trouve le shop vraiment quoi. Ça on s'en fout. Ah, je les connais pas ces pilules. Elles me font un peu peur pour être franc. C'est pas vraiment de pilules dont j'ai besoin là. Le bag of rune, c'est pas terrible quand même. Enfin c'est bien mais voilà quoi. Ça aurait été bien dans un run normal là ouais par contre. Qu'est-ce qu'on fait? On va à mob là ou bien... Ouais allez. Ça fera un petit épisode. Et c'était la pilule Curse of the Maze en fait. Well, fuck. On va essayer de gagner quand même. Même si déjà être arrivé jusque là, je trouve ça pas mal. Je veux dire, je suis mort qu'une fois, c'est bien. Pourquoi elle a écrasé de là-bas, mom? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait toucher. Ça va pas du tout, la vache. Ouah, ça rase. Attends, j'ai la Blue Candle quand même. Faut y penser. Ça fait des gros dégâts. Yes! C'est la victoire. Oh putain, je peux aller à d'autres trucs. Attends, on est à 15 minutes. Je peux aller voir ce qu'il y a là, déjà. Bah écoute. Faudra toujours un truc en plus. Je vais aller voir le boss rush. Alors, franchement, en temps normal, ça aurait pu être drôle. Qu'est-ce que je fais? Je le tente. J'ai envie de le tenter quand même. Juste parce que... De toute façon j'ai gagné, hein, on est d'accord, il y avait le trophée, j'aurais très bien pu le prendre. Mais pour l'entertainment... Alors qu'est-ce que je prends par contre? Il y a trois trucs qui me tentent vraiment. Parce que, enfin, le bean, non, évidemment. Les trois autres me tentent. Hein. Tiny Planet, ça serait peut-être un peu chaud quand même. Il me faudrait les trois en fait. Non, quand même, on va rester raisonnable, on va prendre... On va prendre ça. Et on y va, c'est parti, bienvenue dans le YOLO du délire. Boss rush avec The Lost en délire, ouais. Oui monsieur, pas de problème. Je vais tellement mourir. Voilà, je me suis déjà fait toucher, en plus je joue en mode hardcore. Oh putain. Allez, prenez les pronostics, quel boss va me tuer? Parce que bon, hein. Oh putain. Gera, super, la meilleure rune du moment là. Putain, déjà je galère contre les deux premiers boss. Enfin, non, c'est pas les deux premiers d'ailleurs. Enfin, vous avez très bien compris, hein. Ok, lui il est mort, super. Donc, tous ceux qui ont dit monstre 2, bah vous avez perdu. Ah, c'est qui l'autre? Ah, c'est Blighty Dovum, d'accord. Je crois qu'il est déjà mort. The Gate aussi. Pour l'instant, on y arrive. Putain, y'a un truc. Voilà, lui. Il faut que je le bute, lui d'abord. Voilà, c'est bon.
Alors je crois qu'il y a un ange là, hein. Ouais. On va commencer peut-être... je sais pas. On va commencer par survivre, hein, voilà. Ne pas... putain. Ne pas voir les ennemis, c'est vraiment un handicap quand même. Parce que la salle est grande, donc... Et merde, il y a des gros rochers, putain. Ah, ah merde, putain, j'aurais dû le voir venir en plus. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. J'ai envie de dire, j'avais gagné, donc je m'en fous. Voilà, voilà mon score, hein. Et alors, je suis voilà, hein. Je suis là. Est-ce que j'ai des potes qui l'ont fait? Non. Ok. Bon, ben voilà. C'est la fin de ce daily. Donc, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vais essayer de me motiver un peu pour en faire un peu plus, quand même, des épisodes. Hein, parce que, bon, hein, plus que zéro, ouais, voilà. Et puis, ben... c'est donc fini, donc ben, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël !